Bessiata d'Ishmaïa, maintenant on va faire un peu de Parashat HaShavua sur Orachim HaKadosh, parce que ce soir c'est la Eloula. C'est la Eloula, le 15 Tammuz, la Eloula du Orachim HaKadosh, une Neshama qui vient de Neshama de Nitzot, d'une étincelle de sainteté de David HaMelech, Alav HaShalom, c'est Prinat Mashiach, il était Prinat Mashiach. Le Chida, il ramène que le Chida, il a eu le mérite de voir le Rachash, le mérite de voir le Orachim HaKadosh. Il l'a vu tout habillé, tout en blanc, pendant Hoshana Rabba, et il a dit, c'était vraiment quand même Malach, tu vois, quand même Malach, c'était le Tzaddik Ador, c'était le grand Tzaddik, et la preuve, c'est ce qu'il raconte, le Baal Shem Tov HaKadosh, même qu'il ne l'a jamais vu, le Baal Shem Tov HaKadosh, mais tous les nuits, il se rencontrait dans la Neshama, en haut, dans les mondes supérieurs, quand la Neshama monte la nuit, ils se rencontraient là-bas, le Baal Shem Tov, avec le Orachim HaKadosh. Même que physiquement, ils ne se sont jamais vus. Et voilà qu'un jour, c'était le 15 Tammuz, Parashat, c'est entre Parashat Balak, c'était ou Parashat Balak ou Parashat Midrash, c'était un Shabbat, Souda Shlishit, il est venu pour faire Netilat Yadayim, le Baal Shem Tov, et voilà qu'il dit, Kaba Ner Amaravi, c'est-à-dire que le Orachim HaKadosh, il est Niftar. Alors comment il a su? Tout le monde lui a dit, mais comment tu sais? Il dit parce qu'il y en a un dans la génération qui reçoit le Sod, le secret des Kavanot de Netilat Yadayim. Il y en a un, pas deux. Et voilà maintenant que moi je les ai reçus, quand je fais Netilat Yadayim pour Souda Shlishit, ça veut dire que le Tzadik est Niftar. C'était Orachim HaKadosh qui avait ce secret. Donc voilà, le jour de la Eloula, c'est aujourd'hui, et c'est bien d'allumer une bougie. Il s'appelle Rabbeinu Chaim Ben Rabbi Moshe. Son grand-père aussi s'appelait Rabbi Chaim Ben Atal. C'est un homme kadosh, et c'est avec lui qu'il étudiait la Torah. C'est avec lui qu'il étudiait la Torah quand il était jeune. Et rien qu'une petite histoire, on raconte que quand les Allemands, Hitler, et ils étaient en train de venir en Eretz Israël. C'est connu qu'ils étaient en train de venir. Et donc tous les chachamim de la génération, les admourim, etc., ils sont partis prier dans sa tombe, dans la tombe du Orachim HaKadosh. Parce que comme avec tout ce qu'il avait dit, le Baal Shem Tov sur lui, c'est pour ça que tous les chassidim, ils ont l'habitude de finir la paracha avec Orachim HaKadosh tous les Shabbats. Donc eux, ils sont très très liés avec Orachim HaKadosh, les chassidim. Et voilà qu'ils sont partis prier dans sa tombe. Et en plein, un des grands admourim, si je ne me trompe pas, c'est le admour Migour, le Divrei Emet, et Sfat Emet, c'est lui qui l'a écrit, et si je ne me trompe pas, et lui là-bas, il a dit, c'est bon, notre fila a été acceptée, ils ne vont pas venir, les Allemands, ils ne vont pas venir en Eretz Israël. Et comment tu vois ça? Il lui dit, je vois le Yudke Vavke sur la tombe d'Orachaim HaKadosh. C'est comme ça qu'il a su que la tfila, la prière a été acceptée. Et donc c'est comme ça qu'ils ont, par Ness, c'était vraiment un miracle, que les Allemands, ils ont fait demi-tour. Ils étaient en route, ils étaient en train de venir. Je pense qu'ils étaient au Midbar Sinai, si je ne me trompe pas. Ils venaient par l'Égypte, si je ne me trompe pas. Ils venaient par là-bas, ils ont fait un demi-tour, quoi, carrément. Carrément demi-tour. Et donc, ils sont pas, finalement, ils n'ont pas venu. Et bon, la grandeur, il n'y a pas de fin. On ne pourra jamais réunir et résumer la grandeur du Orachim HaKadosh. C'est pour cela que je passe directement au pasouk de la paracha sur un point très important. Avant ça, je veux commencer par le chapitre 26. Le chapitre 26 dans le pasouk 9. Et là-bas, le pasouk, il dit « Ubne Eliav, les enfants de Eliav, c'est Nemuel » Vedatan va aviram. Et voilà le passage qui rajoute Hu datan va aviram keria eda asher hitzu al Moshe ve al Aaron ba'adat korah be'atzotam al Adonai. Donc voilà, c'est eux, datan va aviram, qu'ils ont fait la pagaille, qu'ils ont fait la machloket au temps de Korah, etc. Et là, le Orachim HaKadosh, il pose la question, il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu viens nous enseigner? Quand on le sait pas, on le sait pas dans Parashat Korah, on sait pas que datan va aviram, c'est eux qu'ils ont foutu la pagaille, c'est-à-dire c'est eux, ils étaient avec la marloquette de Moshe, on ne le sait pas. Il te dit la preuve que c'est eux qui étaient dans la marloquette quand Moshe Rabbeinu voulait apaiser la marloquette. Qu'est-ce qu'il a fait?
il est parti spécialement pour parler avec qui? Pour parler avec Datan et Aviram. Comme il dit le pasouk, Vaishlach Moshe likro le Datan et Aviram. Urti vayelech Moshe el Datan et Aviram. Shirgi shebaem adavar talouy. Moshe Rabbeinu, il a compris que c'est de eux que ça dépend. Donc tout dépend de eux. Et là, il te dit le Rachay Makadosh, que voilà le pasouk. Il te dit que. On l'a vu déjà. C'est eux qui étaient la vraie raison de toute l'histoire de Korach, c'est eux. C'est Datan Vaviram. Et là, il dit au Rachay Makadosh, mais Atan Nefashot Alametim, Teluyim, Beshne Areshaim Ahem, Yeshbeze Limoutsrout. C'est-à-dire que maintenant, on a un Limoutsrout. C'est-à-dire qu'on a un Limout de Sanégoria, un Limout pour Korach, que quoi? Il te dit que sur les 250 avec Korach, il te dit Shamar akatu parashat Ekev ve'asher asa ledatan ve'aviram she'eno mona me'ora ela ledatan ve'aviram ukfizei yecholim anachnu leha'amid zvarat ha'omer edat Korach en lahem chelek le'olam haba bedatan ve'aviram. C'est-à-dire que ce qu'on dit qu'ils n'ont pas chelek le'olam haba, c'est surtout pour Datan ve'aviram. Et que les Zvarat Omer Aleem Omer Akatou Morid Sheol Vayaal, qui sont descendus au Sheol chez le Geinam. Et c'est écrit Vayaal. Et bien c'est qui? C'est sur la Korach et les 250 qu'ils avaient. C'est-à-dire en deux mots, Rachay Makadosh dit que si Datan Vaviram n'était pas, et bien tous les 250 avec Korach, ils auraient accepté la remontrance de Moshe Rabbeinu, ils auraient jamais, ils auraient fait la machloquette. Et là, le pasouk, il est venu te pointer et te désigner c'était qui vraiment les responsables de cette machloquette. Pourquoi? Parce qu'il te dit que le pasouk, il veut dévoiler les Rechaim. Il veut dévoiler les Rechaim, donc c'est pour ça qu'il les a mentionnés à eux, et pas donc, maintenant, je te parle dans Parashat Midrash. Dans tout le Maaseh de Korach, il dit qu'est-ce qu'il mentionne? Hu Datan va'aviram keria eda asher hitzu al Moshe ve'al Aaron. Parce qu'il veut les désigner, il veut dire c'est eux. C'est eux, c'était les vrais responsables. Très gros chidouche du Rachay Makadosh. Donc ça c'est dans Perek Kavav. Maintenant, ce que je voulais rien que voir, c'est un point très important par rapport au Maaseh de Pinchas. Donc Pinchas, on sait que Parhat Nishmato, la Neshama de Pinchas l'a quitté. Elle a quitté la Neshama de Pinchas. Et tellement le Maasé, on connaît tous les miracles qu'il y a eu pendant le Maasé de Pinchas. Mais ici, en fait, ce que je voulais maintenant rapporter de Rachay Makadosh, c'est qu'est-ce qui a apaisé la colère de Pinchas, d'Akadosh Baruch Hu. Bekano akidati betocham, digdeg lomar kinati, gam amar betocham, ba la tête koach hamasig, bo hashavat chema. Qui a retiré la colère d'Akadosh Baruch Hu? C'est Pinchas. Il te dit Ve'amar she'aita be'emtzahu shlosha dvarim. Voilà, c'est les trois choses que je voulais voir maintenant par rapport à trois choses qui peuvent apaiser la colère d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est important de les connaître. C'est quoi les trois choses qui ont apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu que Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen il a fait qui a apaisé la colère? Il dit la première chose, Shekina bichvodo be'atmo. Il n'a pas fait un chaliar. Il est venu lui-même faire le maasé. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il lui a dit vas-y, c'est la mitzvah, vas-y. Non, il est venu lui-même faire la mitzvah. Vesiken be'atmo, ka'amur bedivrehem, ve'hu omro bekano bekinui. C'est-à-dire, il a fait Messirut Nefesh. Il s'est mis en danger pour que lui fasse lui-même l'action. Donc, premier enseignement qu'on voit dans Pinchas, c'est que l'homme doit faire l'action lui-même, ne pas essayer de faire des shlichim. Si c'est toi qui dois la faire, eh bien c'est toi qui vas la faire. Parce que celui qui est désigné, comme c'est le seul, même Moshe Rabbeinu, il ne se rappelait pas de la halakha qu'il avait enseignée lui-même. C'est Pinchas qui va rappeler à Moshe Rabbeinu la halakha. Donc de là, tu vois une chose, qu'il faut absolument, faire la chose pour laquelle tu as été désigné, de la faire toi-même, avec Messirut Nefesh. De l'affaire avec Messirut Nefesh. Et la Gemara ramène que Messirut Nefesh, ça fait une proximité avec Hachem. Comment tu vois ça? La Gemara dit pourquoi les Dorot Arishonim, à peine ils commençaient la tefila, ils se faisaient répondre.
Alors que nous, il dit l'Amoraïm, il dit ça sur les Tanaïm. Les Amoraïm, il dit nous, on prie rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas qu'eux, ils avaient plus de Torah que nous, c'est faux. Les Amoraïm, il dit on a des traités de Gemara et de Mishnayot en plus qu'eux, ils n'avaient pas, qu'on étudie. Donc, ne me dis, on a plus de Torah qu'eux. Conclusion de la Gemara, pourquoi eux, ils se faisaient répondre plus? Ils avaient une proximité avec Hachem plus que nous, il dit les Amoraïm, il dit, tu sais pourquoi? Ils avaient Messirut Nefesh. Celui qui a Messirut Nefesh, c'est proximité avec Hachem. Et ça, c'est la première chose qu'on voit dans Pinchas, Messirut Nefesh. Il était prêt à se mettre en danger, mais faire la volonté d'Hachem à n'importe quel prix. N'importe quel prix. Deuxième chose qu'on voit, Shaya Hakina Bishvil Kevodi Levad Velo Lehem Tsa'ut Velo Lehem Tsa'ut Chum Davar Zulato. Ça veut dire que quoi? Que toute la kina qu'il a fait, Pinchas, était pour une seule raison, et c'est Hachem y témoigne. Hachem y témoigne que ça a été fait que pour mon kavod à moi. Seulement pour mon kavod à moi. Vezohi mitzvah shlema asher yitratze Hachem ba yoter mikol asher yaase ha'adam. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va accepter une chose pareille, que quand tout ta marchava, ton dibour, ton ma'ase, il est une seule chose que tu veux, une seule. La sonna hatouah li yusriv, la sonna zombori, pour faire la volonté d'Hachem, sans aucun intérêt personnel. Il te dit ça, c'est la chose que Hachem il va accepter le plus. Il te dit Vehu omro et kin ati, bekinoui, leamedaber baruchu, que Akadosh Baruch Hu il dit kin ati. Donc Akadosh Baruch Hu il témoigne que le ma'asé de Pinchas était pur, était seulement pour moi, pour mon kavod à moi. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, Shelo haita peula she'asam ne'lemet me'ene adam ela kidesh hashem betor ke'al ve'eda ki omram zal she'ayu kol shevet shimon tzaviv la'ohel asher sham dakar she'nehem ve'arag nesihim bifnehem ve'u omro betucham. Troisième point, il dit que ça s'est fait devant tout le monde. Donc il y avait kidush hashem. Il a tué Zimri ben Salou de Kosbi Batsour avec l'épée devant tout le monde. Tout l'achevet de Shimon était autour de la tente, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de faire le maasé, donc il a fait Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Donc je répète les trois points, c'est que il l'a fait lui-même avec Messirut Nefesh, même s'il s'est mis en danger. Deuxième point, on a dit qu'il a... Il n'avait pas d'intérêt. Il a fait seulement l'Irvodo Idbarar l'Ishma. Et Shem Shamaim à 100%. Troisièmement, Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Donc ça, c'est des points importants. C'est des points importants qu'on doit apprendre de Avodat Hashem. Et donc, c'est des points importants qu'on apprend maintenant du Ora Chaim HaKadosh. Et je vous conseille personnellement d'étudier un maximum d'Ora Chaim HaKadosh. Il y a des points incroyables. Il va nous diriger pour l'Avodat Hashem. Mamash dans tous les points de vue. C'est un truc incroyable. Alors, juste pour finir avec une petite histoire que Ora Chaim HaKadosh, il avait cette proximité avec Hachem. Et on le voit dans une petite histoire que quelqu'un est venu chez lui quand il était à Yerushalayim. Il avait sa yeshiva là-bas à Yerushalayim, dans le Khatser, dans la maison de Rabbi Emmanuel Hayriki, qui a écrit Mishnat Hasidim. Il a écrit Mishnat Hasidim, qui a résumé tous les écrits du Harizal. Donc c'est lui qui lui avait prêté la maison pour faire là-bas sa yeshiva. Et voilà, quelqu'un, il vient, il n'avait pas de parnassa, il avait des problèmes, etc., etc., de parnassa, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait au Ora Chaim HaKadosh? Il écrit un papier, il lui dit, maintenant, prends ce papier, va le mettre dans le kotel. Va le mettre dans le mur du kotel, mets-le là-bas, Be'ezrat Hashem, Hashem, il va t'aider. Donc, l'Ashgacha, elle a fait que ce papier va se dévoiler, qui va, le vent va le faire partir du mur, etc. Finalement, quelqu'un va trouver ce papier. Il ouvre le papier. Qu'est-ce que Ora Chaim HaKadosh a écrit dans ce papier? Très simple. Regarde la proximité qu'il avait. Il a écrit Achoti, Rayati, Yonati. C'est le nom de la Shrina. Donc il parlait à la Shrina directement. Il lui a dit, s'il te plaît, aide ce juif, il a un problème de Parnassa. Voilà, c'est tout ce qu'il a écrit. Tout simplement. Ce n'est pas une proximité, ça. Proximité incroyable qu'il avait avec Hachem. Tout ça, c'est quoi? Grâce au travail de Kamouvan. De Torah qu'il a étudié aussi avec son grand-père, qui est jour et nuit, etc. Et le travail des Midot. Le travail des Midot. Quand il faisait le Bet Din, et les gens, ils s'énervaient avec tout ça, ils ne répondaient pas. Il avait cette Mida de Shtika, ils ne répondaient pas. C'est Agla Chochma, Shtika.
Et c'est comme ça qu'il est arrivé à tous les niveaux. Et il ramène dans le Pirou, dans le lac d'Ama, Vitsasti Maacher, Maacher Irchouli Lati. C'est-à-dire, il est en train de faire un remez qu'il avait eu Ruach HaKodesh. Donc, il a eu Ruach HaKodesh pour ce Pirou. C'est pas pour rien que c'est le Pirouge qui est le plus étudié dans les Mefarshim. Le plus. Les Chassidim, tous les Chassidim sont très nombreux. Ils finissent tous le Ruach HaKodesh tous les Shabbats. Tous les Shabbats. Grâce au Baal Shem Tov, tout ce que le Baal Shem Tov il a dit, au nom, il a dit sur le Ruach HaKodesh. Et donc voilà, alors Bezrat Hashem Zechuto, Zechuto Bezrat Hashem nous Yagen Alenu, et Bezrat Hashem qu'on puisse le voir très bientôt Bitriat Hametim, Binyan Bet Hamikdash, Biat Mashiach Tzidkenu, Bimera Biamenu, Amen ve Amen.